Coucou tout le monde. Alors, je suis désolée, hein, j'ai pas d'ordinateur, donc je vais venir faire un petit tirage, voilà, avec le téléphone. Donc, vous verrez peut-être les cartes à l'envers, mais vous pouvez quand même constater que je tire les cartes devant vous, d'accord? Comme ça, voilà, il n'y a pas de blabla. Et comme vous savez qu'avec mes cartes, le nom est écrit dessus, c'est comme le port. Salut, je ne peux point tricher. Voilà. Donc, pas d'ordinateur. Le monsieur qui m'avait prêté son ordinateur était neuf, puisque c'est sa fille qui lui avait payé pour Noël. Donc, je l'ai appelé, je lui ai expliqué le souci. Il est venu rechercher l'ordinateur et il est allé le ramener au magasin pour qu'il soit dépanné. Le problème, c'est qu'il y a une attente entre 3 à 4 semaines. Donc ça va être catastrophique. Voilà. Et moi j'ai des vieux ordinateurs, mais je n'arrive pas à les redémarrer. Regardez, j'avais oublié de vous montrer le cadeau de ma fête des grand-mères. Je vais l'éteindre pour pas que ça. Voilà. Et voilà, c'est une rose. Et ça fait de la lumière. Voilà. Alors, moi j'ai envie de faire un petit tirage, je ne sais pas vous, pour les grèves à partir de demain. Hein, la grève du jeudi. Alors, hop, tomber les masques et la fête. Bon, alors, vous voyez, les grèves, c'est pas positif, hein, mais c'est pour aller chercher quelque chose de positif. Et les cartes qui sont retournées, c'est quand même tomber les masques et fête. Hein. Donc voilà. Comme ça, on va mettre l'église au milieu du village. Alors aujourd'hui, j'ai envie. Mais alors là, vous, si vous me voyez tirer des cartes. Demain, comme on est le 23, 2 plus 3, 5, mes guides me disent de tirer 5 cartes. Donc une, deux, trois, quatre. Et 5. Alors ici on a quoi? J'ai toujours pas mis mes lunettes. Bon, on a médicaments. Bon, je vois pas ce que ça vient faire avec les grèves de demain, mais bon, on a le volcan, des explosions. Attention, demain, moi je vois encore énormément de feu, hein, d'accord? On a les cœurs, donc l'amour, hein. La complicité, ils sont de connivence, passe des accords. Et les nuages. Bon, ben moi je dirais quand même que. Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'il y a des gens hein, qui sont complices, d'accord, qui nous font croire qu'ils nous aident et qu'ils nous aiment. Mais attention, il y a énormément de complicité. D'accord? Ouais, alors c'est ici que vous voyez. Moins, voilà. Demain, ça va être quand même une journée sombre, hein, d'accord? Une journée sombre. Alors, s'il vous plaît, pour les grèves de demain. Vous voyez, on a quand même des belles cartes ici, regardez. Par contre, attention, il va encore y avoir de la violence, hein. Je vous dis, j'ai sorti la carte des armes. Mais, apparemment, il y a une solution. Solution au problème, d'accord? C'est pour ça qu'on manifeste, hein, de toute façon. Sur le volcan, on a les cadeaux. Donc quand même, une belle rencontre. Moi, je vois une belle rencontre, une nouvelle connaissance. Quelqu'un qui va être armé, hein, d'accord? Contre, bah, contre notre gouvernement. Hein, voilà. Mais on voit ici aussi qu'attention, il y a quand même des agressions, je vous le dis. D'accord? Ici, faites attention à certaines personnes qui vont vous dire qu'ils sont là pour aider, d'accord? Mais qu'en fait, ce sera qu'une complicité. Vous voyez? Ils sont en train de passer des accords. Alors, c'est une journée demain qui va être assez sombre, hein, d'accord? Qui va encore être remplie d'obstacles. Mais
Il y a une amélioration à ça, d'accord? Il y a une avancée, il y a une élévation. Bon, alors on va encore recouvrir une fois, puis après on changera de jeu. Alors ici on a le retour. D'accord, donc j'ai compris. Attendez, je crois que j'ai compris. Alors ici, attention. Attention parce que si on le prend comme ça, vous voyez, médicament, la porte et le retour, on pourrait dire qu'ils vont nous réinventer une maladie contagieuse. D'accord? Ça sera eux, pour eux, la solution au problème est de faire rentrer tout le monde, puisqu'on a la carte de retour à zéro. Si on parle du coco, il va revenir. D'accord? Donc, attention. Ici, on a quoi? On a le volcan. Donc, le volcan, c'est les tremblements de terre, les dégâts des eaux, les tourments et les explosions. D'accord? Là-dessus, on a une rencontre, une nouvelle connaissance, une rencontre qui arrive. Et vous voyez, on a les parents. La bienveillance, un cadeau bienveillant qui arrive, d'accord, sur ces manifestations. Alors, ici, on a quoi? On a les cœurs, on a les armes et on a la richesse. Donc, on voit bien, hein, ils font semblant de nous aimer, d'accord, mais ben, ça tire de tous les côtés, ça asphyxie les gens parce que ben, voilà, ça les dérange qu'on soit dans la rue, mais bon, voilà quoi. Tout ça pour l'argent, hein. Voilà, ce qu'ils veulent, eux, c'est du fric, hein. D'accord? Alors ici, on a la complicité, les amis, mais vous voyez sur cette complicité, sur cette compagnie néfaste, sur cette compagnie satanique, on est protégé par l'univers. Et si vous n'avez pas regardé les messages de mes guides, je vous conseille d'aller les voir. Ici, on a les nuages, l'élévation. Et on a le jardin. Donc, quand même, d'accord? Ça va être encore une journée sombre. Et on va avoir des obstacles. Mais il y a quelque chose qui avance. Un projet qui avance. Il y a une avancée. Il y a une progression, une amélioration. Parce qu'on est quand même bien entouré, d'accord? Le peuple a l'air, cette fois-ci, de bien se... Voilà, de bien se rassembler, hein? Alors, je vais prendre... Le jeu de Yoli pour voir ce qu'elle va nous dire, Yoli, s'il vous plaît. Alors, pour les manifestations de demain, le 23 mars 2023. Alors, hop. Alors, on a l'aventure, hein, voilà, on sait bien. C'est nouveau, hein. Bon, il y a le brouillard, vous voyez, c'est encore. C'est pas. Voilà quoi. Vous voyez, regardez, la maison, hein. D'accord? Regardez, aventure, brouillard, maison. Je vous ai dit, quand ce sera la fin, attention, on va être confiné. On a le voyage, donc ça peut être quelqu'un qui part en voyage aussi, mais ça peut dire aussi que ça bouge. Et on a la séparation. Vous voyez? Voilà. Donc c'est une aventure sombre, hein, voilà, sombre. Mais malheureusement, on n'a pas trop de choix. Vous voyez, c'est une aventure et... C'est pour faire partir hein, ces mauvaises personnes quand même, d'accord? Sur le brouillard, regardez, il y a un apaisement. Et sur la maison, il y a la chance. Bon, ok. Ici, on a le printemps. Donc voilà, ça bouge au printemps. Hein, vous voyez, et on y est en plein dedans. Concernant les rituels, hein, vous voyez, séparation et rituel. Bon. Ces personnes narcissiques sont encore toujours en train de travailler. Alors ici, on nous dit... C'est une aventure, hein, c'est une aventure, voilà. C'est vrai que les manifestations comme ça, il y en a eu, mais pas avec autant de personnes. Pour moi, ici, c'est une aventure qui démarre et il faut rester fort, d'accord? Voilà. Alors, ici, on a quoi? Alors, ici, on a le brouillard, l'apaisement et le diable, vous voyez? C'est confus, hein. Bon, moi je n'ai même pas écouté ce qu'il a dit à 13h. Je ne sais pas vous, moi je n'ai pas écouté, ça ne m'intéresse pas. Quand je suis arrivée 2 minutes sur YouTube, là, que j'ai vu que c'était un direct, j'ai écouté parler d'eau. Bon, ben, j'ai dit, alors j'ai mis un commentaire. Hein. J'ai dit, on manifeste pour la retraite et lui il nous parle d'eau. Mais je n'ai pas écouté avant ni après. Voilà. Donc vous voyez encore tout ça, voilà. Hein. Le diable, il est complètement
la tête dans le brouillard et bon, bah, je vais me taire parce que sinon je vais encore voler. Mais là-dessus, il y a un apaisement. Alors, sur la maison et la chance, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Donc, il y a un choix à faire. OK? Maison, chance et choix. Donc, on va quand même recouvrir ici. Pourquoi un choix sur la maison et la chance? Les loisirs, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez compléter? Du commérage. Bon. Ouais, après, c'est vrai qu'il y en a que... ils ont fait le choix, hein, de ne pas manifester, d'aller s'amuser. Et puis, ça blablate aussi. Hein, ça blablate beaucoup. Bon, ça, on va le laisser là, on verra après. Alors, sur quoi? Sur les voyages et le printemps, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Le bonheur, vous voyez, ça bouge. Hein, ça bouge. Vraiment, de toute façon, ils sont plus crédibles du tout. Hein, d'accord? Voyage, printemps et bonheur. Hein, vous voyez, on va aller chercher ce bonheur quand même. Hein. Et voilà. Ici, on a la séparation, les rituels et la clé. De toute façon, moi, je dis toujours hein, que concernant ces personnes narcissiques, ces sorciers, là, parce que de toute façon, on a affaire à ça. Hein, voilà. Eh bien, on va arriver à s'en séparer. Ça, vous voyez, ça va être la solution au problème. Bon, alors, je voudrais quand même recouvrir maison, chance, commérage. Bon, ouais, vous voyez, il y en a encore qui doutent hein, par rapport à savoir si c'est bon de sortir ou pas. Hein, ok? Voilà, bah, regardez. Ils ont des doutes parce que en fait, ils ont peur. Hein, voilà, ok? Alors, ici, on nous dit non. Ouais, ils ont vraiment peur. Alors, bah, ils sortent pas par peur, hein, les gens. Hein. Alors, on a la femme. Ouais, faut faire attention aux femmes, hein, faudrait et la manipulation. Vous voyez tout ça? La France est manipulée, hein, de toute façon, d'accord? Faut bien le comprendre. Qu'est-ce que je peux... Ben, je vais prendre un coup, tiens, le... Alors, tout ça, je vais mettre ici. Hop, hop, hop. Alors, je continuerai les horoscopes aussi, certainement. Hein. Avec le téléphone, je suis désolée si vous voyez moins. Mais au moins, on fera quand même quelque chose. Hein. Alors, s'il vous plaît, concernant manifestation du 23 mars en France. 23 mars 2023 en France. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors... En accord ici, le 7 dir. Revoyez vos plans, vos tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Si vous avez convenu quelque chose, vaut mieux reporter, d'accord? Parce que c'est pas sûr que. Hein? 4 dos, ratez une occasion. Insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Vous voyez, c'est pas le moment de prévoir quelque chose, d'accord? Parce que sinon, vous allez vous pourriez être bloqué et vous pourriez rater quelque chose de beau quand même. Hein. Moment heureux. Consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, vous voyez ici, on nous dit, voilà, hein, qu'il faut continuer de se défendre, ok? Alors, on a quoi ici? Chevalier d'air. Alors, vous voyez sur le 7 d'air, hein, revoyez vos plans. Ici, on a le chevalier d'air. Intelligent, décisif, idéaliste et inlassable, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. D'accord? Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se passer rapidement. Ici, voilà, je vous avais vu, je vous ai dit, 4 dos, rater une occasion, d'accord, insatisfaction ou ennui, dessus on a le 9 d'air, hein. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise et des nuits blanches, hein, vous voyez. Donc là, je crois que les manifestations, ça va être malheureusement encore plus fort, hein, d'accord, et je pense qu'il y a des équipes qui vont se créer pour que ça continue jour et nuit. Alors ici, sur l'étoile, les moments heureux, on a le rêveur. Un acte de foi. Soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon.
D'accord? Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose de mieux. Hein. Vous voyez qui arrive, s'il vous plaît, pour les manifestations de demain. La lune avec l'archange Aniel. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. D'accord? Alors, il faut vivre, d'accord? Il ne faut pas arrêter de vivre parce que vous avez peur. Ils sont payés pour nous faire peur. D'accord? Voilà. Mais c'est vrai que les gens ont peur et ça devient... Il y a des gens qui psychotent quand même, hein, d'accord? Voilà. Et même notre morale en prend un coup, hein, d'accord? Mais il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses, d'accord? Voilà. Donc il faut qu'on reprenne, vous voyez ici, on nous dit franchement, voilà, de reprendre notre pouvoir. Hein. Et dessus, on a le 2 de dos, 2 dos, pop, pop. Une relation qui croit en intimité. Voilà, résolution positive d'un conflit. Donc pour moi ici, je vois quelqu'un qui arrive pour mettre fin à tout ça. Vous allez me dire la loi martiale, non. Enfin, moi je l'ai toujours dit cette loi martiale, mais pas de la façon qu'on la connaît. D'accord? Moi je dis voilà, des militaires qui prennent... la relève qui prennent le rôle de notre Pinocchio, hein, parce qu'encore apparemment qu'il en aurait encore sorti des belles, hein, bref, donc déclaré inapte, hein, voilà, et puis voilà, donc en entendant qu'on revote, qu'on met quelqu'un d'autre, hein, eh bien, l'armée prend la relève. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est toujours comme ça que mes guides me l'ont dit. Et il faut savoir déjà que l'armée travaille déjà en coulisses. D'accord? Voilà. Alors ici, avec les portes de l'intuition, j'ai l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vous voyez? C'est vraiment aussi à nous à bouger. Hein? Et ici, on a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. D'accord? Donc, chacun doit suivre son cœur, ses envies. Hein, voilà. Chacun doit faire comme bon lui semble. S'il y en a qui ont envie d'aller à la manifestation, ils y vont. S'il y en a qui ont peur et qui n'ont pas envie, il vaut mieux qu'ils restent chez eux. Hein? Mais de toute façon, la maison, on va y avoir le droit. Hein, je vous le dis. Hein. Alors, ici, on a la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Se contenter déjà de ce qu'on a, d'accord? Pas aller chercher, voilà, quand je vous ai dit, message de mes guides, hein, on vous a parlé de rester simple, hein, c'est ça, hein, d'accord? C'est pas la peine d'aller chercher, et voilà, vous voyez, on a le grand plan, tout est planifié, hein. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. D'accord? Donc voilà. Écoutez, tout ça a été prévu. Moi, je dis que de toute façon, cette réforme des retraites était prévue pour que le monde change, pour que les gens ouvrent leurs yeux. Hein, voilà. Et puis maintenant aussi, ça nous a permis de voir. Et j'espère à certains que ça a permis de voir que leur comment on dit leur parti qui défendait, hein, voilà, et ben les ont bien mis dans la merde, hein, puisque ils ont voté pour cette retraite, hein, ils n'ont pas voté. Ils n'ont pas voté. Zut, bah, l'opposition, enfin voilà, vous avez compris, hein, le truc machin chouette là qui devait éliminer cette réforme, hein, les motions de censure, voilà. Donc vous avez vu, eh bien, tout ça est fait exprès, hein, pour que les gens ouvrent leurs yeux.
et que vous avez compris que plus vous êtes dans la merde, eh bien, certains partis, s'ils passent au gouvernement, ça ne sera pas mieux. Hein. On sera encore et toujours dans la merde. OK? Voilà. Donc là, on nous montre bien hein, que, attention, il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Hein. Voilà les amis, ben écoutez, c'est tout ce que je peux faire pour vous, une petite vidéo avec un téléphone. J'espère que ça vous fera quand même plaisir que je sois là. Hein. J'ai sorti mon petit ange, voilà. Donc voilà, ben écoutez, je vais quand même, comme je vous disais, hein, essayer de faire, de continuer les horoscopes pour le mois d'avril. Avec le téléphone. Voilà. Alors maintenant, je vais voir si je vais arriver à poster ma vidéo avec le téléphone. Ça, c'est pour signer d'avance, mais bon, je vais essayer. Hein, parce que je sais que vous êtes nombreux à vous ennuyer et à me demander quand est-ce que je reviens. Bah écoutez, voilà quoi. Vous avez vu, j'ai eu un avertissement aussi, mais ça va, je suis pas punie. Normalement, je peux poster. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Et puis surtout, si vous allez manifester demain, faites attention à vous. D'accord? Les dames à l'arrière, hein, les hommes bah, devant, parce que bah, les messieurs, normalement, voilà, ils ont plus de force et tout ça. Hein, donc, voilà. Et normalement, bah, ils sont là pour protéger les femmes. Donc, bien sûr qu'il faut tous y aller, hommes et femmes. Hein, les jeunes y sont aussi. Vous avez vu, d'ailleurs, j'avais dit que ça commencerait par les jeunes. Hein, et les jeunes, ils sont au taquet, là. Ils sont en forme. Et ils y vont et ils ont raison. Je vous fais des bisous. J'arrête de babeler. Je vous dis à tout à l'heure ou demain, je ne sais pas.